Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog lecture. Ça fait vraiment longtemps que j'en avais pas filmé. Mais j'avoue que le mois dernier, ça a été un peu un mois mort pour moi au niveau lecture. Enfin, pas mort, mais j'ai lu très très lentement. Et du coup, j'avais pas grand chose à vous raconter. Là, je suis rentrée chez mes parents en Alsace. Je suis dans ma chambre avec ma petite bibliothèque que j'aime et tout. Hier je suis allée à Strasbourg, j'ai eu le temps en fait de me lancer dans un article sur mon blog. Ça faisait super longtemps que j'avais rien posté sur mon blog parce que en fait l'année dernière quand j'écrivais mon mémoire, ça m'a tellement dégoûtée de l'écriture parce que je devais écrire beaucoup 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 et du coup ça devenait une corvée d'écrire même sur le blog quoi, de devoir réfléchir à des idées, comment les tourner, quoi dire, à quel moment, enfin c'est devenu une vraie corvée et du coup j'ai été un peu vaccinée de l'écriture pendant longtemps là, et je m'y suis remis aujourd'hui et en fait je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment manqué. J'ai fait le BookTube Newbie tag sur le blog. C'est normalement une vidéo un peu rituelle que tous les nouveaux booktubeurs font sur YouTube. Moi je l'avais gardé pour le blog parce que du coup je me suis dit que ça permettrait de faire un peu un lien entre le blog et la chaîne. Donc si jamais ça vous intéresse de voir mes réponses à ces questions, ben le lien est dans la description. Voilà, donc j'ai fini ça ce matin après être rentrée de Strasbourg. Le reste de la semaine, qu'est-ce qui va se passer? Je vais filmer mes trois vidéos là, donc ce vlog lecture, une vidéo où je présente mes livres préférés, les livres qui ont changé ma vie, et la clé de lecture sur la poésie. Là j'ai tout qui est prêt pour filmer la vidéo sur mes livres préférés, donc c'est parti. Allez viens, allez viens, allez viens, ouais. Petit bébé, bonjour mon bébé, bonjour mon petit bébé. Mmh.
I used to think that love just wasn't for me, but you said you'd prove me wrong if I just wait and see. So you asked me out for coffee on a Friday night, and I don't even like coffee, but it just felt right. Ooh, I never saw this coming. On est vendredi matin, il est 9h09, il faut que je touche mon nez. Hier j'ai pas trop filmé parce que je suis pas trop sortie de la maison. Je suis tombée sur une série sur Netflix et je l'ai regardée d'un coup. C'était une mini-série plutôt de 7 épisodes et donc ça se regardait assez vite. Et genre j'ai été tellement happée par cette série que j'ai pas réussi à m'arrêter. Et puis comme c'est les vacances, je me suis dit, fais-toi plaisir. Et c'était vraiment, je crois, une des meilleures séries que j'ai vues depuis mes... tellement longtemps. Et en plus c'était une série française, c'est Les 7 vies de Léa sur Netflix. Dans cette série on suit Léa qui est une jeune fille suicidaire à une fête, je sais pas, ça doit se passer dans les gorges du Verdon, quelque chose comme ça, mais les paysages déjà sont magnifiques. Ils ont choisi vraiment un emplacement super pour faire ça. Elle se drogue à une soirée et en fait au moment où elle se demande si elle devrait pas se suicider, en fait elle tombe sur un cadavre qui est là depuis des années, et en fait le lendemain quand elle se réveille, elle se retrouve en 1991 dans la peau du jeune homme à qui appartenait le cadavre. Et donc voilà, elle va se donner la mission de le sauver de son tragique sort. En fait, ce qui est chouette, c'est que pour une fois, dans une série française, déjà on caste des jeunes qui sont pas connus. Enfin, pas trop, il y en a un qui est connu, c'est celui qui fait Donald dans Les Tuches. Tous les acteurs ont été super bien choisis et ils jouent tous incroyablement bien. J'espère qu'on va les revoir dans autre chose parce que franchement, j'étais vraiment choquée de la qualité du jeu des acteurs. Souvent, je regarde pas trop les trucs français parce que... soit c'est un peu cringe, genre les films Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et tout ça, super cringe. Ou alors ça tombe un peu à plat. Mais alors là pour le coup c'était vraiment trop bien, les gens jouaient trop bien, c'était super bien écrit, l'histoire elle se tenait de bout en bout. Il y avait un suspense de malade, le dernier épisode j'étais accrochée au canapé comme ça. Et du coup ça parle de plein de sujets qu'on aborde rarement je trouve dans les séries françaises et tout ça, enfin ces derniers temps un peu plus. Franchement ces derniers temps je trouve qu'il y a vraiment un bond dans la qualité de ce qu'on produit en France au niveau série. Entre Mixed qui était sorti sur Prime, Drôle qui est sorti il y a pas longtemps que j'ai trouvé très bien aussi, et ça qui était vraiment mais incroyable. Mais voilà, donc ça aborde pas mal de sujets, genre la santé mentale chez nous les jeunes, les relations intergénérationnelles, le racisme en France, la masculinité toxique, de l'homophobie. Au final j'ai passé l'après-midi à faire ça hier. Hier matin j'ai aussi refait mon aîné, je sais pas si vous pouvez voir parce que la lumière est pas très bien là, mais voilà, du coup je suis de nouveau un peu plus rousse et ça fait plaisir, ça m'avait trop manqué. En plus du coup je l'ai laissé poser super longtemps donc ils sont tout doux. C'est trop agréable. Et voilà, c'est une journée chill de vacancière finalement. Aujourd'hui comme dit, quelques courses à faire et puis je vais essayer de travailler un peu et de lire. J'aimerais vraiment finir l'enfant méduse, il me reste 70 pages à peu près, 60 pages. Je vous en ai pas encore parlé de ce livre mais je vais le faire tout de suite. C'est un livre de Sylvie Germain. Vous savez, j'avais lu Le Livre des Nuits et c'était un de mes livres préférés de 2021. La quatrième de couverture m'avait beaucoup beaucoup donné envie parce qu'on retrouvait un peu cette espèce d'aura de conte de fées mais détournée pour être adaptée à notre monde moderne, on va dire. Et c'est une chose que j'avais beaucoup aimée dans Le Livre des Nuits. Donc je me suis dit, ah chouette, je vais retrouver ça dans celui-là. On suit une petite fille qui s'appelle Lucie, qui se fait agresser sexuellement à reprise par son grand frère. Et ça se passe, je sais pas, dans les années 80. On a différents points de vue en fonction des parties, des chapitres. Parfois on a le point de vue du grand frère, parfois le point de vue de Lucie, parfois le point de vue de leur mère. Et c'est vraiment magnifiquement écrit, comme d'habitude, il y a vraiment des passages. Mais Sylvie Germain, je sais pas comment elle écrit, mais je suis toujours soufflée par sa prose en fait, c'est presque une poète. Je vais vous lire quelques passages parce que vraiment c'est trop beau. On l'apprend assez tôt, mais le frère de Lucie a aussi violé d'autres petites filles avant elle. Il y en a une des deux qui l'a tuée et l'autre s'est suicidée à cause de lui. Des signes, elle en épiait partout, jusque dans les miroirs devant lesquels elle se postait, fixant ses propres yeux comme s'ils avaient été ceux d'une autre. Ceux d'une enfant plus forte et courageuse qu'elle, capable de dénoncer le frère assassin, de défier ses adultes sourds et aveugles qui l'entouraient. Il lui arrivait parfois de passer des heures, enfermée dans sa chambre, à scruter un miroir. Elle s'efforçait de soutenir son propre regard, de se forger un regard nouveau, un regard de guerre. Elle s'imaginait qu'Annelise et Irène, du fond de l'invisible où elles avaient séjour, regardaient par ses yeux.
Elle regardait le monde avec les yeux d'une enfant d'outre-tombe. Mais son attention était souvent déviée. Son imagination venait faire écran entre elle-même et son reflet, et la détournait de son projet, sans qu'elle en prît conscience. Elle confondait sa vie avec des personnages de contes qu'elle avait lus. Elle se parait de courage et de gloire volée à des héros découverts dans des livres d'histoire. Elle pétrissait ses idées fixes dans la glaise des scènes bibliques racontées au catéchisme. Et, à force de se fixer ainsi dans le miroir, en multipliant et travestissant sans fin son regard, elle se dessaisissait en fait d'elle-même. Elle oubliait sa haine, sa douleur, pour jouer à son insu de ce secret qui l'obsédait. Finalement, elle se regardait avec les yeux de son frère, avec les yeux de son frère nocturne. Et sans oser le reconnaître, elle éprouvait un plaisir trouble, une joie honteuse à se voir ainsi démultipliée, travestie en personnage fabuleux, héroïque, à se contempler en petite reine d'une secrète nuit de crimes et de débauche. Alors cette joie mauvaise, ce plaisir inavouable, aiguillonnait encore davantage sa colère. Elle ne pardonnait pas à l'ogre d'avoir fait d'elle, au bout du compte, sa complice. Elle était une esclave, aussi rebelle que soumise, elle était beaucoup trop de personnages à la fois, et ne parvenait pas à maîtriser cette foule qu'elle était devenue. Et la guerre qu'elle voulait tant livrer à l'ogre s'en prenait autant à lui qu'à elle-même. Elle ne luttait face au miroir qu'entre elle-même et tous ces autres qui avaient fait intrusion en elle à la suite de l'ogre. Voilà, c'est vraiment très beau. Bon, il y a des trigger warnings parce que ça peut être un peu dur à lire, hein, parfois. J'étais dans le métro et des fois j'avais les larmes aux yeux, je me disais « Oula, c'est pas forcément le bon livre emmené dans le métro ». Mais c'est vraiment magnifique, j'ai hâte de savoir ce qui se passe à la fin, si Lucie se transforme elle aussi en monstre ou si elle se libère. J'ai moins aimé que le livre des nuits parce que c'était juste plus mon truc. J'aime bien les livres qui fourmillent et pour le coup celui-là c'est plus linéaire on va dire et beaucoup plus pesant et aussi répétitif mais c'est fait exprès. En fait il y a beaucoup de mots, de phrases qui sont répétées tout au long du roman mais en fait c'est censé nous donner la même impression de lassitude et d'agacement et d'énervement, de révolte je pense. Que doit ressentir Lucie à chaque fois que son frère passe par sa fenêtre. Donc je vais essayer de finir ça aujourd'hui. Du coup là en attendant qu'on parte, j'ai réécouté à peu près toutes les chansons de Charlie Puth récemment. En fait j'écoutais jamais avant, il était apparu plusieurs fois sur ma For You page sur TikTok. Et puis je me suis mis à regarder et j'étais complètement fascinée. En fait c'est rare que ça m'arrive mais quand je me suis mis à tout écouter comme ça dans l'ordre sur Deezer, à chaque chanson j'arrivais à entendre pas juste la mélodie qui est chantée parce que d'habitude je me concentre beaucoup sur le chant quand j'écoute une musique. Vu que je suis chanteuse. Là, en fait, j'arrivais à entendre toutes les strates de la musique. J'arrivais à entendre la basse, la guitare, le chant, les harmonies, tout d'un coup. Et ça m'a fait des explosions de cerveau un peu. Des orgasms, on pourrait dire. Ça me fait pétiller mon cerveau, en fait, d'entendre ces musiques. Donc, voilà, j'ai envie d'en écouter encore un peu ce matin pour me donner de l'énergie. D'ailleurs, ces chansons m'ont donné des idées de vidéos. Mais je vais pas vous en parler parce que je vais rien promettre. Je sais pas si je vais réussir à mener mes idées à bien parce que ça risque d'être un peu compliqué, ça va me demander un peu de travail, de réflexion, d'imagination. You said stop looking over your shoulder, there's no one there and I will protect you. So I let my guard down faster than I should. Thought I'd be fine and I was when you were mine. But yesterday we were we. But yesterday you said you didn't need. Yesterday I thought we might be in love, but yesterday. Alors je suis de retour, on a trouvé des baskets noires tout simples. Voilà, vous les verrez peut-être au cours d'un vlog, c'est pas très intéressant, elles sont juste noires, toutes basiques. Mais j'ai aussi acheté quelques trucs de papeterie que je pensais que je pourrais vous montrer. Alors tout d'abord j'ai fait le plein de rouleaux de colle en souris. Et puis ensuite j'ai trouvé un carnet comme ça de papier pour faire du scrapbooking et qui sont vraiment trop beaux pour une fois. Regardez les couleurs, elles sont trop belles. Et puis j'ai fait le plein aussi d'autocollants parce que j'en avais plus du tout quasiment. Et ceux-là, je sais pas quelle collection c'est plutôt printanier, un peu vintage, je les trouve trop beaux. Et il y a un buste à l'arrière en plus.
Et ensuite j'ai ceux-là. Je trouve que c'est un peu des vibes de Dark Academia comme ça. Et ensuite j'ai ceux-là qui sont un peu violets. Je sais pas, ça me fait penser vraiment au thème youtubeur et booktubeur parce qu'il y a une petite caméra, il y a des cahiers, des livres, des calendriers. Je sais pas, je les trouve trop beaux. Désolée pour le bruit, c'est encore dehors, il y a des travaux. Il s'est rien passé de très intéressant ces derniers jours. Du coup, je me suis dit que j'allais garder la fin du vlog pour aujourd'hui parce que c'est mon anniversaire. Et j'ai prévu quelque chose d'un peu spécial que j'ai jamais fait. Je suis toute seule parce que mes amis sont à l'école. Mais du coup, j'ai la journée pour moi et je vais aller au château de Versailles. Je suis jamais allée visiter le château de Versailles, donc j'ai trop hâte. Il fait pas très beau pour l'instant. J'espère que ça va se découvrir, on verra. Je pars dans 10 minutes. Je suis un peu à la bourre, mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous montrer un truc que j'ai fait hier. J'écoute beaucoup de Charlie Puth ces derniers temps. Ça me redonne envie de jouer moi-même. J'ai fait beaucoup d'années à l'école de musique, je voulais apprendre la guitare, mais mon école était vraiment... Du coup j'ai pas appris grand chose et ça m'a beaucoup frustrée et j'ai abandonné pendant longtemps et du coup je sais plus grand chose j'avoue, mais je sais pas, d'écouter ces musiques ça me donne juste envie d'en jouer. Il faut que je retrouve un de ces TikTok parce que j'ai retrouvé au piano, juste en jouant comme ça, en touchant à des notes, les accords d'une des chansons qu'il est en train de composer. Du coup je vais la jouer en même temps que le TikTok. Voilà, c'était ma petite performance du jour. C'est pas fou, mais juste ça me fait trop plaisir de rejouer. Par contre, le piano qu'on a dans l'appart, c'est le piano de l'ancien propriétaire. Il est tout désaccordé. Faudrait qu'on le fasse accorder. Je vais vous montrer parce que vraiment, c'est énervant. Ils sont en train de démonter la rue dehors. Voilà, maintenant vous savez pourquoi il y a ce bruit de fond horrible derrière les carreaux. Bon, je vais mettre ma veste. I was born, been a spring flower's daughter. Hibernate till it's warm and the snow melts to water. But here comes a change, I can feel it inside. I see sun in the cloudless sky, so I open my windows and breathe in the breeze of March dancing on my skin. Whisper of new beginnings, the steady humming of bees, daisies I wear like earrings. But here comes a change, I can feel it inside. I see sun in the cloudless sky, so I open my windows and breathe in the breeze of March dancing on my skin.
Je m'y attendais pas vraiment, mais en fait j'ai eu encore beaucoup d'autres choses à filmer pour ce vlog parce que il y a ma meilleure amie qui est venue me faire la surprise de venir me voir à Paris, et du coup on a fait plein de trucs ensemble. On est allé au Louvre et on est allé au théâtre, donc voilà, j'ai filmé un peu ça. Je vais vous mettre les clips tout de suite. Elle m'a aussi ramené une énorme surprise. Pour mon anniversaire, elle m'a offert un billet pour aller voir le concert de Lady Gaga à Paris en juillet. Je sais pas où elle a encore trouvé une place, mais elle a réussi ce miracle. Et voilà, donc on va aller voir Lady Gaga ensemble et ça va être incroyable. Et j'ai eu plein d'autres surprises aussi. Il y a Sarah qui est passée, elle m'a amené une fleur. Océane m'a aussi acheté une fleur. On est aussi allé fêter mon anniversaire et celui d'un de mes amis qui s'appelle Zachary, qui a anniversaire le lendemain, en allant manger à la recyclerie. C'est un bar, restaurant dans le 19e, il me semble. Donc voilà, c'était super cool. C'était une vraiment belle semaine. Allez, je vous laisse avec les images du week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Staring out the window, reaching for a north star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint a thousand different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out, because time ain't as old, but you fill me up and I can feel it now.